Mes chers collègues, je remercie Monsieur le Premier ministre. En attendant de passer la parole aux orateurs des groupes, je voudrais saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de l'Assemblée constituante de Tunisie. Conduite par M. Imed Amami, président de la Commission des collectivités locales et régionales de cette Assemblée. Elle a été accueillie au Sénat par le président Jean-Pierre Sueur, président du groupe d'amitié France-Tunisie. Comme vous le savez, la Tunisie s'est engagée l'an dernier dans un processus de réforme constitutionnelle. La visite de votre délégation porte une attention particulière aux dispositions relatives aux collectivités locales. Nous formons le vœu que cette visite lui permettra de mûrir sa réflexion sur la réforme engagée. Nous suivrons tous ici, avec une amicale attention, les travaux de l'Assemblée constituante. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français. Mes chers collègues, dans le débat, la parole est maintenant aux orateurs des groupes. Je passe donc la parole à Madame Nicole Borvo-Cohen-Séat du groupe CRC.